بسم الله وكفى سلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم امنحنا رضاك يا ربنا وسيدنا ومولانا بلا منازع. وصلي اللهم وسلم على سادتنا الأنبياء والمرسلين، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا. Aujourd'hui, nous allons, par la permission divine, ces bénédictions, jeter un coup de rapide sur quelques versets du chapitre La Distinction, Al-Furqan. Dieu dit, dans le verset 12, إِذَا رَأَتُمْ, c'est-à-dire la gêne, إِذَا رَأَتُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا فيها منها مكانا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا سا سي ان دي زيتا مالورو اي تيريبل بور لي apostats, pour les kuffars, les infidèles, c'est-à-dire les polythéistes ou les athées. C'est-à-dire que la gêne, lorsqu'ils s'approchent d'elle, ils vont entendre quelque chose de très tumultueux, de très fort comme son, etc., qui a une expression ou bien qui veut dire qu'elle va les broyer, qu'elle va les maltraiter, tellement elle est loin, mais le son qu'elle émet, il parvient à eux pour les mettre en état de panique. Voyez donc combien à Macan, et lorsqu'ils sont jetés quelque part dans un site bien déterminé à telle personne et telle personne, Macan est là où il n'y a pas de largeur, tout à fait étroit, c'est pire que les prisons terrestres. Mukarranina, là on a les Thouboura, et lorsqu'ils seront ligotés par des chaînes, ils disent que malheur à nous pour toujours. La tête de l'homme à Thouboura, Dieu ou bien les anges ou les archanges leur disent, ne l'appelez pas un seul hélas, malheur à nous. Mais une multitude de ces expressions et ces locutions. La tête de l'homme à Thouboura, Waïdan, ou de Thouboura, Kadir. Kol, et Mohammed, mon bien-aimé numéro 1, que ma paix soit sur toi, dis-le. Est-ce que ça, meilleur que ce qui va être dit maintenant, Amjanat al-Khul, ou bien le paradis pour l'éternité. Elle est Thouïd al-Muttaqou, que Dieu a promis pour les gens dévoués, pour les gens qui ont su ne pas être en désaccord avec l'islam, qui n'ont pas voulu être en opposition aux ordres divins, et qui ont bien respecté Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, en croyant à sa mission et en suivant sa tradition. Et ce paradis-là, c'est un salaire, c'est une rétribution très positive, une belle récompense. Jazan ou Masiran est destiné. La envie à Meyeshaoun, Khalidina, Kana, à la Rabbi Kawad Masoulan. La envie à Meyeshaoun, ils auront tout ce qu'ils veulent, mais sous la volonté divine. Kana, Tlam Jazan ou Masiran, Khalidina, c'est-à-dire pour l'éternité. Kana, alors, ça c'est une promesse que Dieu va répondre. À cette promesse, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.